Pršiči, gojeni na domači kmetiji, so pozabljen prizor. V Franciji od mesa največ pojedo svinjine, vsaka družina celo 35 kg na leto. Zato se velike trgovske površine trudijo zadostiti povpraševanju. Ker je bil svet prašičereje pogosto tarča napadov, je danes zelo zaprt za kamere. Michel Poirier, lastnik enega največjih industrijskih svinjakov v Franciji, natančneje blizu Anžeja, je za nas naredil izjemo. Na leto vzgoji 90 tisoč prašičev. Si nous rentrons dans la verraterie, c'est-à-dire l'endroit où se trouvent les verras, qui sert de reproducteur pour l'élevage et la naissance des porcelets. Donc vous voyez, ici vous avez un animal très conformé, qui a été sélectionné sur sa capacité à faire du muscle et sa capacité à avoir une longe très rebondie, donc pour les futures côtes de porc, et à l'arrière un jambon très prédominant. En 40 ans, les porcs rustiques sont devenus des porcs modernes, très bodybuildés. Vous avez ici un exemple d'animal qui a une viande très diététique, c'est-à-dire on a complètement fait disparaître l'épaisseur de lard qu'ils avaient sur le dos. Da bi odgovorili potrebam velikih trgovskih središč, genski laboratoriji ves čas iščejo nove sorte prašičev. Zaradi genskega inženiringa so te živali postale zelo krhke. Zaradi mikrobov morajo biti zaprte v dezinficiranih prostorih, kjer je zrak ves čas filtriran. Za razplod teh prašičev uporabljajo zgolj umetno oploditev. Vsi drugi prašiči nimajo privilegijev atletskih merjascev. Svinje živijo zaprte v žičnatih boksih nad svojimi iztrebki. Ločene so z ograjo, da ne bi zmečkale svojih mladičev. Izmenjujejo se cikli prejosti, skotitev, dojenja. Vsako leto skotijo več kot 30 odojkov. Posledica tega je vnetje prsnih žlez in mehurja. 10% odojkov ne preživi teh higienskih razmer. Je meso iz te intenzivne reje še dobro? Donc ici nous rentrons dans la partie engraissement. Prašiče pitajo v zaprtih oddelkih, kjer je zrak poln prahu in amonjaka. C'est des bêtes de course, hein. C'est des formules, il suffit qu'il mange de trop, et qu'il a un souci intestinal, donc ça peut provoquer la mortalité, hein. C'est une formule compliqué, difficile à maîtriser, donc il faut beaucoup, beaucoup de professionnalisme pour gérer et suivre l'élevage. C'est ce qui fait d'ailleurs la difficulté de l'élevage moderne actuel. Pogoji tovrstne reje povzročajo številne dihalne bolezni in bolezni prebavil. Zaradi genske selekcije so prašiči zelo občutljivi in nimajo naravnega obrambnega mehanizma. Kako se izogniti zdravljenju z zdravili? Antibiotiki so prepovedana tema za rejce. Vsi zatrjujejo, da jih ne uporabljajo, vendar zadnje poročilo sanitarnih služb kaže na to, da prodaja teh zdravil ostaja enaka. V zadnjih 10 letih so prašiči porabili polovico vseh antibiotikov v Franciji. Na skrajni točki Bretanje se bomo sestali s parom, ki na leto vzgoji 9000 prašičev v sodobnih prostorih. Nicole in André Seržan sta ena redkih rejcev, ki priznata, da so antibiotiki nepogrešljivi. Il y a un vétérinaire qui est salarié de la coopérative, qui passe dans l'élevage régulièrement et qui ensuite prescrit en fait pour cet élevage ben, le plan on va dire sanitaire pour les semaines et mois à venir. Et pour les administrer ces médicaments, vous pouvez le faire? Alors toutes les administrations, que ce soit des injections directes à tel ou tel animal par rapport à un petit problème de qu'il peut avoir. Donc là ce sont nous qui faisons ces interventions. Et également si c'est un traitement collectif sur un lot. Qui peut arriver, également ce sera l'éleveur qui va le faire. Et si j'interviens, c'est beaucoup à Panari, voilà. Ou ce genre de choses, un peu de diarrhée, et ponctuellement quoi.
un problème de diarrhée, on va traiter juste. Et là, on utilise des pompes doseuses, c'est directement dans l'eau. Parce que même s'ils ne mangent pas, ils vont boire. Donc on est sûr qu'ils sont traités. Et sachant qu'on en fait très peu. Très peu. Voilà. Mais c'est comme ça. Les humains, voilà. Quand on est malade. Un message de grippe, voilà. On va traiter nos animaux, mais sinon, on ne fait pas systématiquement. Voilà. Voilà, alors là, vous êtes vraiment à l'intérieur d'un élevage industriel, vous voyez comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un risque, en tout cas, peut-être je me tourne vers vous, André Picot, qu'il y ait des résidus d'antibiotiques dans la viande, et est-ce que dans ces cas-là, c'est problématique pour l'homme? Le gros problème, c'est que depuis quelques années, on a beaucoup amélioré le type d'antibiothérapie chez les porcs. Autrefois, on utilisait des antibiotiques qui donc, étaient facilement détectables. Maintenant, on peut utiliser des antibiotiques qui, théoriquement, sont quasi indétectables. Et ça, bien entendu, ça pose problème. Parce qu'ils vous diront, ben, vous voyez, nous faisons des dosages et on ne trouve pas d'antibiotiques. On a pris sciemment des antibiotiques qui n'étaient pas détectables pour qu'on ne puisse pas les tracer, c'est ça? Absolument, bien sûr. En tout cas, pour ce qui se passe en France, le problème de fond, c'est quand même le rôle des pouvoirs publics. Donc, est-ce que, par exemple, actuellement, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les services vétérinaires, font des contrôles répétés, suivis sur des élevages au hasard? Réponse non, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour le faire. Toute la stratégie repose sur l'autodiscipline et le volontariat du secteur agroalimentaire. Ce qui est assez remarquable comme position, de mon point de vue. On pourrait proposer au pouvoir public de faire la même chose, par exemple, pour la conduite automobile. Je leur propose l'année prochaine, donc, de, pendant une année, faire une expérience et de laisser donc, les automobilistes libres à eux, basés sur leur autodiscipline, et voir ce que ça donne en termes de nombre de morts sur la route. Donc, penser que ça va se passer différemment dans le secteur agroalimentaire et dans le secteur économique en général, je trouve ça assez remarquable. C'est vraiment faire preuve d'une naïveté ou peut-être aussi d'une certaine compromission vis-à-vis du système. Pomanjkanje nadzora nad rejci in hrano. Kako lahko vemo, da je prašič kontaminiran? Zadnja ovira pred našim krožnikom je nadzor v klavnicah. Vstop v klavnico je postal skoraj nemogoč, ti posnetki so zato zelo redki. Sestali smo se z vodjo klavnice v Montobanu v Bretaniji. Stresser lors de l'abattage, ça a forcément des répercussions sur la qualité de la viande. Là-dessus, on travaille beaucoup pour éviter que les animaux soient stressés, quoi. Qu'ils soient plus paisibles, le plus zen possible, quoi. Vsako leto pridelajo 10.000 ton mesa. Kakšna so merila za zdravo meso? Gospod Sidibe je vodja veterinarja v tej klavnici. Odgovoren je za nadzor. Tudi o kakšnem nadzoru sploh govorimo. Si, no, on constate que sur une bête, il y a des piqûres et l'animal présente quand même des conditions physiques, des répercussions physiques pas normales. Bon, ça peut nous amener à suspecter l'utilisation des produits, quoi. Voilà. Ko ga vprašamo, koliko nadzorov, s katerimi sledijo navzočnost antibiotikov, opravijo, postane ozračje bolj napeto. Na to vprašanje ne bomo nikoli dobili odgovora. Koliko poglobljenih analiz o antibiotikih ali strupenih snovih opravijo?
Opazili smo le vizualni nadzor. Veterinarski pomočnik je po kratkem ogledu ožigosal meso, da je zdravo. Ali v nekaterih klavnicah opravljajo več nadzora? Nekaj kilometrov stran nas sprejmejo v Koperlu. To je največja klavnica v Franciji. Izjemoma so nam dovolili posneti proizvodnjo. Vsak teden tu zakoljajo 45 tisoč prašičev. Sophie Bertrand, vodja kakovosti, je naša vodnica. V tej veliki tovarni 12 veterinarjev opravlja nadzor vsak dan na 9500 prašičih. Po hitrem izračunu ugotovimo, da imajo le 30 sekund, da določijo, ali je meso zdravo za potrošnika. Kako to počnejo? Visuel pour repérer les résidus d'antibiotiques, je ne sais pas ce que ça peut donner. C'est des contrôles qui sont essentiellement des leurs, hein, soyons clairs. Hein. À mon sens, le problème est après, par exemple, dans le jambon. Parce que là, ça change la donne. Ce n'est plus l'élevage des porcs, mais ce qu'on va mettre pour que le jambon se conserve, à ce moment-là, eh bien, on va être obligé de le bourrer d'additifs, et de façon obligatoire, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Ce sont des nitrates, quelquefois des nitriques, donc c'est encore pire. Et puis, il faut bien entendu lui donner de l'aspect. On va le gorger en polyphosphate. On va le colorer, bien entendu. Donc, on va le traiter de façon à ce qu'il ait cette petite couleur mordorée, là. Hein? Donc, c'est des nitroso-hémoglobines. Et ça, c'est pas bon pour nous, tout ça. Ah, tout ça, c'est pas bon. Surtout pour les petits-enfants. Parce que les petits-enfants n'ont pas la capacité de transformer, comme nous, ces produits qui oxydent l'hémoglobine. Alors qu'il y a des parents qui croient très bien faire en donnant du jambon pratiquement tous les jours à leurs petits-enfants, eh bien malheureusement, ça c'est absolument déconseillé. Pour le consommateur, ce qu'on peut quand même lui dire, c'est qu'actuellement en France, comme dans tous les pays industrialisés et urbanisés, consomment trop de viande, avec des conséquences sur la santé qui sont importantes, en termes de maladies cardiovasculaires en particulier. Je fais une réflexion à ce sujet, c'est qu'on a été capable de manger occasionnellement, effectivement, du porc, de la viande, qui n'est absolument pas nécessaire à chaque repas, pendant des siècles. Et c'est en décidant de passer à un autre modèle qui n'est pas compatible avec la santé humaine, qui est celui de manger de la viande plusieurs fois par jour, par exemple, n'est juste pas compatible avec la santé humaine, qu'on arrive à des phénomènes un peu délirants, comme des productions massives sous forme industrielle de ce qui est une forme de vie, le porc, qui est devenu en fait simplement un produit, et maintenant un produit chimique. Vse francosko kmetijstvo je urejeno po podobi prašičereje. V 50-ih letih je doživelo pravo proizvodno revolucijo. Po drugi svetovni vojni Francija ni več mogla nahraniti svojega prebivalstva. Rešitev je bila povečanje produktivnosti. S pesticidi, gnojili, genskimi raziskavami, mehanizacijo. Rodilo se je intenzivno kmetijstvo. Poglejte te mirne krave, to so njihovi zadnji preskrbni trenutki na travnikih. Kmalu bo tak prizor le še izjema. Živali so zapustile pašnike ter kmečka dvorišča in se preselile v hleve. Z Bogom trava in paša. Dober dan, dietna krma, pšenica, koruza, soja.
ας σπριμίν που αποβούει ωραία σε σπριμινίλα κακόβος μεσά. Τράβα, τα ναράουνα χράνα, ου σε βούει ενούινι ερμένζα σδράουγε, όμεγα τρίμα σάβνε κυσλίνε. Κόσο ζυβίνο ου μακνίλης πάνσνικο ου σοι ωρούπα λιτίγα ζιουλιένστικα χρενίλα. Μεσό, γιάιτσα, μλίκο, μάσλο, ενσύρ, ναι σε βούει ο βέτσι δαβόλ όμεγα τρίμα σάβνε κυσλίν, που σλίδιτσνο ήχ πριμακούε τούτη νάσιμου οργανίσμου. Déjà, d'emblée, David Servan-Schreiber, si vous pouviez nous dire qu'est-ce que ça fait un déséquilibre oméga 3, oméga 6 sur le corps humain et en quoi c'est gênant? Il faut d'abord comprendre ce que c'est les oméga 3 et oméga 6. Voilà, exactement. Toutes les cellules du corps ont besoin d'acides gras, de certaines graisses pour fabriquer leurs membranes, pour échanger entre elles, et puis ces graisses sont ensuite transformées dans le corps pour agir sur tout un tas de fonctions biologiques. Il y en a deux, les oméga 3 et les oméga 6, que le corps ne peut pas fabriquer et qui pourtant sont indispensables à son fonctionnement. Donc c'est une situation un peu paradoxale, j'ai besoin de quelque chose pour toutes mes fonctions, mais je ne peux pas le fabriquer. Ça ne peut provenir que d'une seule source, votre assiette. Si vous ne les mangez pas, ils ne sont pas dans vos cellules. S'ils ne sont pas dans vos cellules, il y a tout un tas de conséquences derrière, dont certaines catastrophiques. En plus, ces oméga 3 et ces oméga 6 ont des fonctions très différentes. Les oméga 6, par exemple, favorisent l'inflammation, favorisent la coagulation du sang et stimulent la croissance des cellules dans le corps. Les oméga 3 font l'inverse. Tant que les deux sont en équilibre, tout va bien. Simplement, depuis qu'on est passé à l'alimentation industrielle, les oméga 6 sont en augmentation constante et les oméga 3 sont en chute. Donc on se retrouve avec des aliments qui nous chargent en facteurs inflammatoires, qui coagulent notre sang, qui ont tendance à rendre le sang plus coagulant, et qui stimulent la croissance des cellules. Chez un adulte, les seuls types de cellules qui peuvent croître, c'est le gras et le cancer. Donc on donne en fait, quand on déséquilibre l'alimentation en chargeant en oméga 6 et en réduisant en oméga 3, on donne des facteurs qui peuvent promouvoir la croissance du cancer et qui font grossir les gens. Donc un œuf de 1960, j'ai pu retrouver des études là-dessus, un œuf de 1960 avait à peu près autant d'oméga 3 et d'oméga 6, c'était un aliment santé qui nous apportait des oméga 3. Un œuf de 2000, il y a une étude dans le New England qui le montre, un œuf de 2000 contient 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc on l'a transformé en un aliment pro-inflammatoire et qui stimule la croissance des cellules. Pomankanje omega 3 maščobnih kislin škoduje našemu zdravju. Kako mesu vrniti omega 3, ki jih je izgubil? Pri blagovni znamki Bleu Blanc-Coeur se že 10 let trudijo, da bi nam dajali bolj zdravo in uravnoteženo hrano. Njihova izhodiščna ideja je bila preprosta. Da bomo bolje hranili ljudi, začnimo najprej dobro hraniti živali. L'industrialisation de l'agriculture a entraîné de nouvelles cultures, par exemple le maïs, l'introduction du maïs, du soja, et donc on a déséquilibré, sans le savoir, ce profil en acide gras. Donc voilà, donc Bleu Blanc-Coeur, nous on a compris ça, et on s'attache à retrouver cet équilibre naturel qui s'est mis en place depuis des milliers d'années, parce que c'est le meilleur possible pour la... Pour les animaux, quoi. Donc elle est embêtante. Cet équilibre-là, on l'a retrouvé en fin de compte avec une plante qui s'appelle le lin, qui a la particularité, elle, de stocker ces oméga-3-là. Et donc ça nous permet de les restituer toute l'année dans l'alimentation des animaux. Donc le fait de mettre une petite quantité de lin dans une ration, par exemple, avec du maïs, eh bien, 1 kg de graines de lin par vache et par jour, ça suffit pour rééquilibrer comme si la vache mangeait de l'herbe. Ici, on a un aliment qui contient 50% de graines de lin. Si tous les éleveurs de France font ça pour leurs vaches, on a l'équilibre. Et pour les aliments complets, parce que pour les filières porc, donc là, c'est incorporé dans le granulé. Quoi. Pas besoin de le rajouter. Po izračunih tega podjetja bi bilo dovolj obdelati le 1% obdelovanih površin v Franciji s slanom, da bi v živalski krmi vzpostavili ravnotežje med omega 3 in omega 6. 1% površin za perutnino, jajca, govedino, svinjino in celo prekajeno meso. Kako naj vemo, da je ta rešitev dobra? Opravili bomo znanstveni poskus. V Državnem agronomskem inštitutu so nam dali na voljo znanstvenike in laboratorij. Primerjali bomo molekularno sestavo 3 rezin šunke, ki smo jih kupili v velikih supermarketih. 200 iz klasične reje, 3. pa od prašiča, ki so ga pitali z lanom.
На димовитку пише «обогатено з омега-3». Znanstveniki najprej izločijo maščobo iz šunke z zapletenimi kemičnimi reakcijami. Plinska kromatografija poda natančno sestavo rezin šunke. Profesor Moreau nam bo pojasnil rezultate testa. Donc la courbe bleue c'est le jambon issu de porc qui a mangé les oméga 3. Donc la courbe est beaucoup plus importante que les deux autres jambons qui sont issus de porc standard où la quantité d'oméga 3 est beaucoup plus faible. Donc la courbe bleue, il y en a à peu près trois fois plus que les autres jambons. Et ici, on voit que les animaux qui auront mangé des graines de lin ont moins d'oméga 6 que les autres, ce qui fait donc que c'est très bon pour la nutrition, à la fois plus d'oméga 3, moins d'oméga 6, donc un animal qui va manger beaucoup d'oméga 3 aura beaucoup d'oméga 3 dans sa viande, alors qu'un animal qui va en manger peu en aura peu. Test est donc positif. Šunka z lanom pitanega prašiča je bolj zdrava kot šunka industrijskih prašičev. Zakaj ga prodajajo le nekatere znamke? Odgovor je ekonomski. Meso prašiča boljše kakovosti je za rejce dražje komaj za 2 evra, oziroma 2 centa dražje na kilogram mesa, 2 centa za varovanje našega zdravja. Kdo zavrača to plačilo? Danes rejci svoje prašiče prodajajo za 30% ceneje kot pred 15 leti. Torej, oni niso odgovorni za iskanje rešitev. Ne bi bilo bolje, če bi velike trgovske verige znižale trgovske marže? A v tem sistemu ni pomembna kakovost, temveč količina. Zato v naših trgovinah dobimo svinino osiromašeno z omega-3, ki za nas ni zdrava. Pour l'instant, l'industrie n'a pas encore pris la mesure du fait qu'elle avait une véritable responsabilité santé et qu'il fallait tenir compte de cet équilibre oméga 6 oméga 3. Moi, ce que je leur demande, c'est d'imposer que tous les produits animaux soient équilibrés en oméga 3 oméga 6. Je ne leur demande pas d'imposer comment on y arrive, mais ça devrait être des produits qui soient comparables à ceux que nous mangions en 1950. Il n'y a pas de raison de tolérer une telle dérive dans la nature même de ce qui nourrit la population. Moi, je me souviens très bien, dans l'affaire du sang contaminé, on reprochait de ne pas avoir assez parlé. Et donc, on était coupables parce qu'on n'avait pas assez parlé. Ben là, on parle. Kaj lahko storimo za naše zdravje, medtem ko čakamo, da se industrijska proizvodnja odzove? Kaj bi morali jesti vsak dan? V Britaniji se je skupina znanstvenikov lotila zanimivega poskusa. 100 oseb so vsak dan hranili z lanenim kruhom. Dr. Schmidt nam bo pojasnil zanimive rezultate. Quand on consomme directement cette poudre de lin, alors nous on l'a mis dans du pain pour que ça soit consommable facilement, eh bien on a une baisse de l'ordre de 8% du cholestérol, une baisse de 8% du cholestérol LDL, c'est-à-dire du mauvais cholestérol, et une baisse de l'ordre de 35% des triglycérides. Simplement en consommant 80 g de pain, c'est-à-dire 4 tartines de pain dans la journée. Donc ça, c'est une étude qu'on a faite sur une centaine de patients. Et au bout de un mois, les résultats étaient tout à fait probants, aussi bons qu'avec certains médicaments hypocholestérolémiants. C'est du pain actuellement, dans toutes les boulangeries, vous pouvez demander du pain au lin et vous en trouvez. Olja in maščobe so drugi pomemben vir omega-3 maščobnih kislin. Kako izbrati med to goro steklenico v trgovinah? Katera je najboljša? L'huile de colza, c'est une huile de consommation courante qui contient le plus d'oméga 3. Donc grosso modo, dans une huile de colza, vous avez de l'ordre de 10% d'oméga 3, moyennant quoi, il y a beaucoup d'antioxydants dedans, il y a de la vitamine E, etc. Et c'est stable. Et ces 10% d'oméga 3, c'est excellent pour la santé. Donc c'est un contributeur qui est important, mais qui ne doit pas être le seul, puisqu'il faut aussi
des contributeurs animaux, c'est-à-dire la filière terrestre et la filière maritime.